Dans la liste des choses à faire au printemps dans vos plates-bandes, il y a mettre de l'engrais à vos plates-bandes, que ce soit des plates-bandes d'arbres, d'arbustes, de conifères ou de vivaces. C'est le temps de le faire. De quoi vous avez besoin? De l'engrais adapté au type de végétaux que vous cultivez, des outils pour racler et bouger la terre ou le paillis et du compost. Pour des arbustes ou des vivaces dont le but est de fleurir, utilisez un engrais 7-14-14. Alors que si vous avez des feuillus ou des conifères, utilisez plutôt un engrais 12-6-12. L'utilisation d'engrais granulaires permet une libération plus contrôlée et un effet d'une plus longue durée, mais donc moins souvent. Quand fertiliser, on fertilise une fois que la neige est partie et que les bourgeons ou les pointes des vivaces ont commencé à émerger. Première étape, dégager le sol autour des arbustes ou des vivaces, souvent le paillis. Appliquez l'engrais autour de vos végétaux. Toujours lire et utiliser la quantité recommandée par le fabricant. L'engrais est prêt à l'emploi, vous n'avez pas besoin de le diluer. On applique l'engrais autour du feuillage pour les vivaces et les arbustes. Profitez du fait que le sol est dégagé pour ajouter de la matière organique sous forme de compost autour de vos végétaux. Ensuite, on replace le paillis et on en ajoute au besoin. Et on attend que l'eau de pluie fasse le travail de faire fondre l'engrais granulaire. Pour les arbres, on y va à la périphérie des branches. On creuse des trous là où les branches se terminent. Alors, ça se peut que vous mettiez l'engrais dans le gazon. C'est normal, mais c'est à cet endroit que les racines des arbres se nourrissent. Des fois, appliquer de l'engrais, ça demande un ou deux calculs, notamment pour les haies de cèdre. Ici, ça dit, pour les haies, nous allons appliquer une tasse d'engrais par mètre linéaire par 3,3 pieds de hauteur. Alors, des fois, il faut faire des calculs parce qu'ici, j'ai quand même une haie assez grande. Alors, on va y aller un petit peu plus généreusement. On enlève les résidus de tour pour avoir accès aux racines. Et encore une fois, on ne met pas ça sur le tronc des cèdres, mais à la périphérie. Sachez que ce type d'engrais existe aussi en poche. Dans un monde idéal, vous avez une bonne relation avec vos voisins et quand on fertilise des haies de cèdre larges, vous y allez des deux côtés. On met de l'engrais aux 4 à 6 semaines, mais sachez que les arbustes et les vivaces cessent d'être fertilisés à partir du 15 juillet, alors que pour les conifères, c'est à partir de la fin juin. Parce que, eh oui, dès cette date, nos arbustes et nos arbres se préparent déjà pour l'ahoutement pour l'hiver. L'avantage de donner de l'engrais tôt au printemps, c'est que dès le début de la croissance, nos végétaux vont pouvoir se nourrir adéquatement, faire des floraisons soutenues, être résistants aux insectes, aux maladies, aux canicules s'il y a lieu. Alors, pour toutes ces bonnes raisons, à vos engrais, à vos petites pelles et on s'en va travailler.